Bonjour, utiliser les vertus du sport pour faciliter la recherche d'un emploi, c'est le principe de base de la méthode proposée par Enoch Effa, triple champion du monde de boxe française, une méthode testée avec succès à Paris, auprès des apprentis d'Auteuil également, et désormais à Ancenis. 15 jeunes âgés de 18 à 25 ans vont en effet intégrer le dispositif « Un passeport vers l'emploi », une aventure de 8 mois, au programme coaching sportif, accompagnement en mission locale, formation en entreprise, immersion en association et stage d'oxygénation. C'est la première vie centre de moyenne importance ou de petite importance qui se lance dans cette affaire. Sachant que nous, l'enjeu est quand même important pour nous, puisque c'est vrai qu'on est une ville, il faut peut-être repositionner les choses, on est une ville de 7 000, enfin, si on compte Saint-Girons, une agglomération de 10 000 habitants, avec malgré tout 6 000 scolaires et plus de 5 000 emplois. Voilà. C'est un peu ça le fond, la toile de fond finalement, c'est un peu atypique, c'est vrai. J'ai mis en place une méthode que je mets au service du coaching sportif citoyen et que je mets aussi au service du coaching sportif bien-être, et donc j'ai un centre pour ça au quartier d'affaires de la Défense. Et gère des coachs et la méthode en fait que j'ai expérimenté sur moi, expérimenté sur d'autres. Oui. J'ai assemblé des trucs tout bêtes entre les outils et les méthodes du sport de haut niveau et le côté formation à gestion du stress, motivation, confiance en soi et tout ça. Et comme entre la partie sportive et la partie confiance en soi, et ben c'est vraiment infime, un truc tout bête. Pour assimiler un nouveau geste en sport, il faut 3 semaines. Les préparations physiques sur 3 semaines. Et pour avoir une nouvelle habitude en termes de développement personnel ou efficacité professionnelle, c'est 21 jours, données scientifiques. Donc du coup, 3 semaines, 21 jours, le lien entre le sport et l'entrepreneuriat, il s'est fait vraiment comme ça, quoi. Et les problématiques entre les 18-25 ans et les gens du monde d'entreprise, c'est lié au stress, gestion du temps, gestion des priorités et confiance. Donc du coup, voilà. La première expérience était sur 10 jeunes. On en a eu 7 qui ont trouvé une formation ou un travail. Et après, sur les personnes que j'ai pu coacher du monde de l'entreprise, bah, la plupart d'entre elles ont pu atteindre leur objectif. Et par le bouche à oreille, aujourd'hui, j'en suis venu à créer mon propre centre. Donc situé à côté du quartier d'affaires de la Défense, en Ile-de-France. Et là, aujourd'hui, on est dans des perspectives de dupliquer ce schéma dans d'autres contextes, de manière autonome, pour que d'autres puissent reprendre une méthode qui est assez simple, on va dire, hein, mais qui a porté ses fruits et fait ses preuves ailleurs. Quand vous êtes athlète de haut niveau, vous avez tout ça autour de vous. Vous avez un staff médical, vous avez un staff au niveau mental, vous avez la formation, vous avez la partie nutrition. Bah, c'est fournir tous ces éléments-là pour une personne qui veut suivre son programme. Les méthodes et les valeurs d'athlètes de haut niveau, mais pour tous. Notre objectif en tant que chef d'entreprise, c'est de challenger nos jeunes de 18-25 ans pour atteindre leur cible. On est autour du sport, donc autour du sport on retrouve des objectifs, des projets, un cadrage, et de ce fait-là, on remet les jeunes dans une configuration plus professionnelle. Chose que peut-être l'école n'a pas su leur donner, ou leurs parents. Et de ce fait, on retrouve une implication des jeunes et un attrait pour les entreprises pour en faire éventuellement des salariés de demain. Moi, Damien, mon but est de dépasser mes peurs, mes limites pour atteindre mon objectif. Si comme moi, Enoch Effa, triple champion du monde et chef d'entreprise, t'as envie de puncher pour avoir un avenir, le tien, viens combattre avec nous, rejoins-nous dans le dispositif coaching sportif citoyen. Cette expérience a déjà obtenu des taux d'insertion encourageants à hauteur de 75%. L'agglomération d'Ancenis est la première ville-centre à mettre en œuvre un tel dispositif, convaincu qu'un vrai travail de proximité a toute sa place aux côtés des politiques nationales.